Bonjour à tous, Guylaine Beauchemin, votre animatrice pour l'émission Au cœur de la nouvelle. Cette semaine, j'ai rencontré Brian Perrault et je me suis entretenue avec Suzanne Quimper, auteure d'un nouveau roman. Et bien sûr, Délisca, avec sa chronique, elle nous parlera des assurances voyage quand on voyage de longue durée. Donc, tout ça au cœur de la nouvelle. Vous savez, n'oubliez pas d'encourager nos commanditaires, car grâce à eux, j'ai pu faire de belles rencontres cette semaine. Donc, comme je vous disais, Brian Perrault, il a une compagnie d'édition et il y a un beau projet qui s'en vient pour lui pour l'année 2016 et on vous en parle à l'instant. Donc, je suis très contente. Aujourd'hui, je suis dans un lancement de livre, mais pas n'importe lequel, le lancement du livre de Suzanne Quimper. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Merci de m'avoir invitée, Suzanne. Ça fait plaisir. Ce grand lancement-là, c'est une première en plus. C'est une première. Du livre, la mise au point chez. Donc, il va être... je pense que ça va être un grand succès, ce livre-là, au départ. Un premier livre. Je pense, oui, c'est un premier livre. Je pense que le titre est très intriguant. Oui. Et amène beaucoup de gens à se poser des questions et ils veulent savoir est-ce que c'est un livre de sexe, est-ce que c'est un livre de quel type de livre c'est. Alors, on peut en parler. Exact. Est-ce que vous pensez qu'on va aller toucher Suzanne plus le côté masculin, ce côté avec un titre comme ça? Ben, ça dépend qui cherche le point G. On peut en avoir des deux côtés. Exactement. Donc, j'aimerais, avant toute chose, poser la question à personne qui est un peu, qui travaille dans le milieu de la publicité. Plus de 30 ans dans le milieu publicitaire. Oui. Qu'est-ce qui a poussé Suzanne Quimper à écrire un livre? Ben, et un livre comme ça? Au départ, je suis rédactrice publicitaire avant tout. Oui, j'ai eu mon agence, donc j'ai géré du graphisme, etc., du design, mais au départ, j'étais rédactrice publicitaire. Pour moi, écrire un livre, je pense que c'est une avenue naturelle. Okay. On se dirige là, parce qu'en publicité, je suis obligée d'écrire ce que les clients ont envie de vendre. Moi, j'avais envie de vendre mes soins à moi. De moins avoir de cadre. Alors, d'écrire ce que j'avais envie d'écrire, et c'est ça que j'avais envie. Donc, on peut parler ici, la mise au point G, un livre, hein, on va le monter. Voici, j'enlève ma main, voilà. Un livre humoristique, je dirais, oui. Tout humoristique, où il y a une partie humour, il y a une partie peut-être drame, dramatique aussi, peut-être à l'intérieur. Une partie plus touchante, plus dérangeante surtout. Mais mon héroïne réussit toujours à retomber sur ses pieds, c'est sa caractéristique, son caractère. Elle peut rire même des situations qui au départ ne sont pas drôles du tout, sont même dramatiques justement. Alors moi j'ai décidé d'en faire une femme qui a de la répartie, qui rit des situations, qui les dramatise. Est-ce que l'héroïne à l'intérieur, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une partie de vous ou c'est complètement imaginaire? Je pense pas qu'on écrive un roman où ça soit totalement imaginaire. Je pense qu'il y a toujours une petite partie de nous à l'intérieur. Il y a des faits là-dedans qui sont arrivés pour vrai, mais que j'ai romancé. Mais en gros, c'est une fiction quand même. C'est pas ma vie du tout. Mais c'est quand même... Ça serait assez une vie olé-olé quand même. Pas mal, oui. Mais ça ressemble à la vie de beaucoup de jeunes femmes d'aujourd'hui. Ouais. Surtout avec les sites de rencontres, parce que ça se passe au départ, vous regardez un site de rencontre et là, vous choisissez certains individus au travers. Et puis, là, il y en a qui font votre affaire, il y en a qui font pas votre affaire. Là, il arrive avec certains choix. Et là, ben, ces choix-là, j'imagine, ça va être... Il va y avoir des rencontres de ces gens-là. Il va y avoir des rencontres, dont une qui va être frappante. Mais ça, je dévoile rien, je le dis à l'arrière. Dans le résumé, il va y avoir une rencontre plus frappante que les autres. Et la jeune femme pense vraiment avoir trouvé le bon. L'homme qui lui convient vraiment. Mais ça va être à découvrir, ça va être assez ardu. Exactement. Le chemin va être assez ardu. Ben, un peu
comme la vie de tous les jours, hein, il y en a qui prennent des choix ardus au niveau de leur vie, qui les amènent à faire des choix qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire, mais finalement, que c'est ce qui a été fait. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est dans tous les livres que je vais écrire de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est les relations humaines, pas juste les relations homme-femme, mais les relations humaines, je trouve ça fort intéressant. J'aime mettre aussi un élément dérangeant dans mes livres. Je dis « mais » parce qu'il y en a deux autres qui s'en viennent. Ah oui, déjà? Oui, OK. Alors, je vais toujours prendre les sujets qui portent à débat, les sujets qui dérangent les gens. Alors, ça m'amuse de dire comment les gens vont prendre parti et ce livre-là ne fera pas exception. Et pourquoi que Suzanne, elle a décidé d'écrire, de commencer à écrire des livres? Est-ce que ça fait longtemps, Suzanne, que tu écris des livres ou c'est arrivé comme ça? Ça fait longtemps que j'y pense. J'essayais, je pense que je ne trouvais pas mon style encore. J'ai trouvé mon style. J'ai décidé que je veux que les gens referment le livre et qu'ils disent « c'est amusant, ça m'a fait rire, ça m'a touché, puis ça m'a dérangé ». Ça, c'est mes trois bases. Oui, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent se reconnaître au travers des personnages oui. qui sont dans les livres. Et entre autres, certains hommes, et la femme, entre autres aussi, la façon dont elle interagit avec ce qu'elle voit, avec son amie aussi, au départ, l'une de ses amies qui est avec elle. Donc, je pense que ça peut aller chercher, toucher certains individus où la vie est un peu similaire à la leur. De toute façon, pour faire la mise au plongée, je suis allée moi-même sur les sites de rencontres. Ah oui! Ah, vous allez expérimenter ce concept? Expérimenter, pas jusqu'à rencontrer, parce que je suis déjà cassée. Mais à analyser les profils, à lire les textes, j'étais sidérée. C'est incroyable ce qu'on peut trouver. On trouve vraiment de tout mieux chez Jean Coutu. Même un ami. Plusieurs amis. Mais il y en a, tous les gens sont représentés, c'est incroyable. Alors, j'en ai mis là-dedans, oui, j'ai changé les choses pour pas que les gens se sentent visés. C'est vraiment de la fiction, mais ça ressemble beaucoup à ça. Et pourquoi le titre, la mise au point G? Qu'est-ce qu'il veut dire, ce titre, exactement? Bien, parce qu'au départ, comme je l'ai dit dans le résumé du livre, la fille va avoir à faire une recherche parce que le monsieur en question est allergique au 5G. Normalement, on est allergique au 5P. Effectivement. Mais vous m'avez appris. Ouais. Peluche, etc. Plume. Bon. Ça, c'est les cinq allergies que les médecins connaissent très bien. On dit allergique au 5P. Là, elle se demande si une faute de frappe dans son texte qui est vraiment allergique au 5G. Elle essaie de comprendre quels sont les 5G. Bon, le point G, ça se pourrait. Oui, ça pourrait être allergique au 5G. C'est de là, vient le titre. Puis c'est certain que je ne pouvais pas mettre. Oui. Ben, en publicité, il ne faut pas choquer. Mais je veux dire, il faut déranger, il faut sortir du nombre, il faut se faire remarquer. C'est ça le principe de la pub. Ben, en écriture, pour moi, c'est pareil. Ouais. Les livres, il y en a des milliers sur Internet. Qu'est-ce qui va faire que les gens pourraient prendre celui-là? Parce que ça les intrigue. Exact. Ils veulent savoir pourquoi le point G. Exact. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui a osé faire un roman en intégrant point G dans son titre. Exactement. Dites-moi, Suzanne, aujourd'hui, c'est le lancement. Le livre, il est en vente à partir de quand? Normalement, lundi. Donc, normalement, lundi. Parce que tous les libraires, les grandes surfaces, les ont reçus déjà. C'est juste, ils ont juste à déballer les boîtes parce qu'ils les ont. Okay. Ils les ont alors. Donc, les grandes librairies, les petites, les grandes surfaces, comme Jean-Pierre Pesco, etc., vont être là. Puis, normalement, lundi, ils devraient être sur les tablettes. Est-ce que ce livre-là va se retrouver aussi virtuellement, donc pour les gens qui nous regardent partout en Europe, la francophonie mondiale? C'est M. Perrault qui pourrait répondre à ça. On n'a pas décidé encore, est-ce qu'on fait une version électronique? Je ne sais pas. Okay. Mais est-ce qu'il peut être vendu sur un point de vue internet?
étagères présentement, mais c'est seulement que sur les grandes, dans les grandes surfaces. C'est une autre bonne question. On va demander à M. Perrault. J'ai beaucoup de réponses, mais je n'ai pas de réponses. Il m'en manque quelques-unes. C'est excellent. Donc, Suzanne, je vous souhaite un excellent lancement et vraiment, procurez-vous le livre La mise au point G. Je crois que vous allez aimer. Si vous aimez l'humour, si vous aimez justement la façon dont elle traite le point G ici, Suzanne, eh bien, je suis convaincue que c'est un livre que ça vous prend sur votre table de chevet. Sur la table de chevet. C'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Merci, Suzanne. Merci. Donc, on est avec Brian Perrault et Suzanne Quimper. Brian Perrault, si vous le connaissez, est un auteur à succès au niveau des romans fantastiques. C'est ça, Brian? Et Suzanne Quimper, ben, on s'entretient encore toujours avec Suzanne, avec son livre « La mise au point G », un livre à vous acheter, à avoir sur votre table de chevet à côté. « Point G », ça le dit, hein? C'est la place. C'est la place, hein? Brian, j'aimerais savoir, toi qui es rendu un éditeur, pourquoi la mise au point G, c'est venu te chercher? Qu'est-ce qui a fait penser que tu dis, on va éditer ce livre-là? Au départ, c'est pas un type de littérature que je consomme que j'ai mis. Et c'est tout à l'honneur de Suzanne parce qu'on reçoit, chez Perrault Éditeurs, des centaines de manuscrits par année et on en publie moins de 1%. Alors pourquoi ça? D'abord, le titre est accrocheur, donc m'a accroché, mais je l'ai regardé, je l'ai reçu, je l'ai rajouté à mes côtés, je me suis dit, oh, c'est pas pour nous autres, c'est pas dans la ligne éditoriale, je pense pas que je vais dire le titre de roman. Par curiosité, j'ai ouvert le manuscrit, j'en ai une part. Puis c'était bien écrit. C'est assez rare pour un premier jet qui a de l'allure dans le monde. Puis j'en ai lu 2 pages. J'en ai lu 5 pages. Puis j'en ai lu 20. Puis 40. Au bout de 40, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose là. Parce que moi, ça m'avait intéressé. Et si ce roman-là réussit à faire vibrer la jeune femme en moi, qui est tellement bien cachée sur tout ça, je me dis que la vraie jeune femme, celle qui aime ce type de roman, devrait être subjuguée. Tu sais, parce que je ne suis pas le public cible à la base et j'aime ça. Quand je me dis, mon Dieu, le public cible, et là, ben là, j'ai appelé Suzanne. Parce que si tu peux avoir un beau roman, mais quelqu'un qui l'écrit n'a quand même pas d'allure. Ça existe, ça. Et comme je veux travailler avec des gens qui sont sceptiques, qui sont avec lesquels on peut discuter, on peut faire une conversation, on peut régler une histoire, ben, j'ai vu que c'était possible. Alors, c'était bon, 2 en 2. Puis ensuite, ben, je lui ai demandé certaines modifications. Et après la lecture, elle a accepté d'y faire, donc 3-3. Et la suite est pour vrai. Et Suzanne, toi, qu'est-ce qui t'a attiré? Est-ce que c'était le premier éditeur que tu as marqué à la porte, ou tu avais fait d'autres endroits aussi? J'ai fait quand même pas mal d'endroits quand on a publié un premier livre. C'est pas vrai qu'on envoie un manuscrit et puis on prie dans le livre pour que ça, c'est pas en réalité. Quand t'es un auteur proposé du tout, tu l'envoies un paquet d'éditeurs. Moi aussi, j'étais très étonnée, parce que je l'ai envoyé chez Perrault, mais en disant, moi, j'ai une chance sur 1 million. C'est tellement pas le genre de la maison, mais pourquoi pas? J'ai rien à perdre. Pourquoi pas? Voilà, bon, il a décidé d'ajouter une corde à son arc qu'il n'y avait pas avant dans ce qu'on appelle le chicken. Je pense que ça a fait un bon mariage. Parce que vos livres sont basés sur le fantastique. C'est un peu fantastique en quelque sorte, d'un côté, le point G en quelque sorte. C'est un peu un côté imaginaire qu'on va chercher à l'intérieur. Le fait que l'individu a un intellectuel en tant que tel. Moi, je vais vous dire ma ligne.
puisque ça s'appelle Perlista et que je fais la direction littéraire, ben, moi je publie des histoires que j'aime et que je considère comme de bonnes histoires. Alors que ce soit dans le genre fantastique, mythologique, que ce soit dans le publié du steampunk, si l'histoire me plaît, si l'histoire est dans le vent, peu importe le genre, peu importe le public, je pense que c'est quand même. Donc je publie des histoires que j'aime, qui vont aller chercher, je pense, un public cible qui va encore plus aimer ce type d'histoire-là. Donc la grande qualité du roman de Suzanne, c'est la diversité d'écriture, mais c'est aussi cette surprise-là qu'on a en même temps à ne pas savoir véritablement où on s'en va. Et ça, c'est plaisant parce qu'on embarque dans un univers, puis qu'on se met en bateau, et ça c'est génial. Merci, Suzanne Saint-Père. Et je vous souhaite un excellent succès ce soir pour votre lancement de livre. Donc, à la maison, encore une fois, la mise au point G. Vous allez adorer. Et puis, mettez-le sur votre table de chevet, puis lisez ça. Et vous trouverez votre point G après. Ah oui, on va trouver. Ben, il faut le dire pour que les gens achètent. Ah, OK, on va trouver le point G. ça, c'est marketing. Ceux qui cherchent encore. Maintenant, on s'entretient avec nul autre que l'auteur à succès, Brian Perrault. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de passer cette entrevue avec nous. Merci. Moi, j'aimerais, Brian, j'ai su que tu es rendu éditeur. Ça fait combien d'années que tu as été ça? Ça qu'est-ce qui t'a poussé à dire je me lance en édition et puis j'ouvre ce côté-là, ce marché-là? J'ai récupéré mes droits chez mon ancien éditeur de Mozart. Ma fille Gabrielle terminait ses études en littérature. Lui, c'est pas une écrivaine, mais elle adore son amoureuse des livres. Et puis, j'ai rencontré M. Henri Verne, l'auteur de Bob Morat, qui m'a confié que Brian, on est toujours mieux de gérer ses affaires par soi-même. Avec ces trois choses-là, je me suis dit, mon Dieu, pas me lancer. Et on a fondé Perrault Éditeur. J'ai fondé avec Gabrielle, ma fille, qui, elle, est éditrice chez nous. Alors moi, je fais la direction artistique et littéraire. Ça veut dire que moi, je choisis ce qu'on va publier. Et elle, ensuite, a fait le job de monter le livre, de gérer la correction, de prendre le temps d'imprimer avec le distributeur, le ta. Alors, c'est dans la business, c'est elle qui travaille. Moi, je prends un peu... Non, mais je fais d'autres choses aussi. Non, mais le gros du travail, c'est Gabriel, elle fait très bien. Mais je sais que, bon, est-ce que tu as arrêté d'écrire ou tu écris encore? Non, j'écris encore. J'écris encore, toujours. Mais c'est pour ça, parce que je ne veux pas être éditeur à temps plein, je ne peux pas faire ce boulot-là. Donc, si Gabriel le fait, ça me permet moi de choisir des titres, de choisir des livres, des histoires que j'aime, puis en même temps, d'écrire les miennes, puis continuer mon travail de... metteur en scène, de scénariste, ça dépend de l'écoute. Exact. Parce que vous savez, à la maison, Brian Perrault est fait Amos Aragon. Est-ce que c'est lui dans les premiers livres? Amos Aragon, il y en a eu deux. J'ai écrit trois pièces de théâtre avant et trois romans. Des pièces de théâtre? Ouais, c'est parce que moi, je suis auteur dramatique à la base. Ah, OK. J'ai étudié pour devenir comédien, puis ensuite, j'ai écrit du théâtre. Et ensuite, trois romans pour adultes qui ont eu un immense succès d'estime. Oui, ça veut dire que les journaux en parlent, la télévision en parle, la radio en parle, mais qu'il n'y a personne qui l'achète. Oh, c'est vrai? Les trois premiers romans. OK. J'ai vendu 133 copies de mon premier livre. Non, non. Donc, c'est ça. Alors, je pars de là, et ensuite, rapidement, j'ai continué à écrire, puis là, j'en suis venu à Amos Aragon. C'est quoi qui t'a inspiré de Amos Aragon? L'éditeur chez lequel j'étais voulait lancer une série dramatique, une série mythologique, fantastique, médiévale. Et moi, j'étais fan de mythologie depuis des années. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur un loup-garou dans la tradition orale du Québec. Tu sais,
Je me suis beaucoup basé sur ce que j'aimais, la mythologie, le conte, qui est pour moi une grande source d'inspiration. Il y a une sorte de conte, des contes de sagesse, des contes d'action, des contes de ruse. J'en ai fait une espèce de mixture ben, plus ou moins savante à ma sauce. Et bon, ben, la série est apparue comme ça. Et puis, ensuite de ça, tu as écrit d'autres livres qui sont devenus, parce que Amos d'Aragon, c'était des livres à succès. Est-ce qu'ils sont mondiaux, Amos d'Aragon? Il y en a partout. C'est dans 22 livres, ben, c'est dans 22 langues, 26 pays. 22 langues, 26 pays. Donc, les gens, et ça fait, je te comprends, de livres, ça a donné une série de combien de volumes? Là, présentement, la première série de base a 12 livres, et ensuite, il y a une suite qui s'appelle Le Sanctuaire des Blancs. Il y a trois. Il y a la série télé s'en vient en 2016 à Radio-Canada. Ouais, en dessin animé. Ah oui! Ouais, 2016. Parce qu'Amos d'Aragon, c'est aller chercher toute la période d'adolescent, je pense. Mais en 2000, c'est multigénérationnel, mais en 2003, ça a fait ça comme un gros boom. Dès sa sortie, jusqu'en 2006-2007. Après ça, ben, comme tout ce qui avait fait de mode, ben, ça baissait un peu. Et maintenant, ben, moi, en rééditant les livres sous un nouveau format, puis en réactivant la télévision, puis on a des projets de films qui arrivent, tout ça, donc on va les chercher. Le but, c'est d'aller chercher, ça commence déjà pour une nouvelle génération. Parce que je pense que tu as aussi écrit une pièce de théâtre, Amos d'Aragon. Ah ouais, la Cité d'énergie, ça fait 3 ans que ça joue tous les étés. C'est un grand spectacle multidisciplinaire, un peu comme c'est au soleil pour reproduire quelque chose qui est aussi avec des artistes de cirque et tout ça. On a un gros spectacle. Un spectacle d'un 1,7 million quand même. Wow! Un gros show. C'est excellent. Et puis là, tu as écrit ton livre, j'imagine, là. Y avait-tu qui... J'ai écrit la série Barry Wood, ouais. Qui est ma série sur les loups-garous. Je viens de lancer une... dans la catégorie première lecture, Victor 6e du Jour Voyageur, qui est le premier roman jeunesse que j'ai écrit. Ah oui! Que j'ai jamais envoyé nulle part, et que j'ai retrouvé dans mon ordinateur. OK. C'est sur les pigeons voyageurs, parce que moi j'étais colombophile, j'ai déjà eu des pigeons voyageurs. Ah oui! Et j'avais écrit un roman là-dessus. Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres... Il y a des... Tu disais que les films s'en viennent, une série, en fait? Enfin, la série télé, ça c'est sûr, ça arrive en 2016 à Radio-Canada. Qui va s'appeler? Amos d'Aragon, je pense que c'est ça. Les aventures d'Amos d'Aragon, quelque chose comme ça. C'est sur les ondes de Radio-Canada, on commence déjà le travail. Ah oui, OK. Donc ça va être une série qui va commencer en septembre 2016. Ouais. Bon, ben, ça va être excellent, les gens. Et est-ce qu'on peut penser que c'est une série plus adolescente, adulte? C'est du dessin animé, fait que c'est sûr que les jeunes à la base ou les gens qui aiment le dessin animé, parce que ben, je pense que n'importe qui peut apprécier ça. Si Walt Disney le fait pour toute une génération, ben, pour toute la famille, ben, ça va être un peu le même genre de choses. Et toi, ton côté, t'as un côté imaginaire très poussé pour écrire des livres comme ça, entre autres avec Walt Disney, Balboa? Ben oui, ça fait partie de ma vie, tu sais, mais... Ben, tu sais, à un moment donné, tu nais avec certaines qualités, je pense, puis certains défauts aussi. Mais tu sais, il y a des gens qui sont exceptionnels, qui peuvent devenir de fantastiques médecins. Il y a des gens qui deviennent de fantastiques dentistes, des conducteurs de camions exceptionnels, parce qu'ils ont le talent et la patience pour ça. Moi, je pense que pour écrire des histoires, ou du moins raconter, c'est à peu près un des seuls talents que j'ai, donc si je vais avoir plus. D'avoir accepté notre entrevue et je te souhaite un bon succès avec la télésérie de santé, télé, toutes les éditions, la félicitations et bonne continuité. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Débiska, chroniqueuse de Québec en direct au cœur des nouvelles. Avant de commencer ma chronique, je veux simplement vous demander d'aller cliquer sur le lien de nos commanditaires. C'est grâce à eux que vous avez la télé gratuite sur le web TV. Et aujourd'hui, vous voyez bien que je suis dans un bel endroit.
Et cet endroit-là me fait penser aux vacances. Et oui, des vacances. Vous savez qu'il faut prendre réellement les bonnes assurances pour aller en vacances quand on part dans le sud. N'importe où dans le monde entier, quand vous êtes au travail, n'importe où, ça vous prend des vacances de voyage. Et Dieu sait que les assurances de voyage sont très, très dispendieuses. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé à moi. Je voyage beaucoup et je quitte le Canada bientôt pour aller dans le sud. Donc, avant ça, j'ai acquis mes copains d'assurance que j'avais l'an passé, que j'étais très, très dispendieuse. Je vais commencer par celle-là. Alors, j'appelle ma compagnie d'assurance, puis j'avance, j'ai un an de plus, mais je prends aucun médicament, j'ai aucun cholestérol, aucun diabète. Ma pression est excellente, tout est excellent. Alors, il me fait un prix qui est 1 200 $. Bon, ça, pas là, c'est beaucoup trop tard. Alors, je me retourne à une autre compagnie d'assurance. Cette compagnie-là demande le nom de mon médecin, tout ça là. C'est correct, ça donne tout le renseignement qu'il faut que je donne. Et cette compagnie-là me refuse tout simplement. Wow! On refuse moi, qui n'ai aucune maladie, je ne prends pas de médicaments, je ne fais rien. Ils vont me dire comment ça va. Ça peut être compliqué. Les personnes qui prennent des médicaments, qui ont eu des maladies, quoi que ce soit. Alors, je conteste tout simplement. Je demande à la compagnie de pourquoi ils m'ont refusé. Ben, ils m'ont dit l'année passée, ils avaient une petite affaire. Je vais vous conter ce qui m'est arrivé l'an passé. Je suis une boule de golf et j'ai fait un faux mouvement. Et je me suis ramassée avec une douleur au bras ici, tout simplement. Et la douleur persistait, alors j'ai arrêté de jouer au golf. Je suis allée consulter. On m'a dit que j'avais des. Bursite sous-acromial. Ça a été répondu par un questionnaire. C'est mon médecin qui m'a envoyé de cet endroit-là. Alors, la raison, c'est pour ça qu'on m'a refusé tout simplement. Alors, j'ai contesté le résultat, que je n'ai pas mon affaire du tout parce que je suis aucunement malade. Alors, je lui ai expliqué le pourquoi qu'est-ce qui est arrivé. Alors, j'ai tout monté mon pedigree au complet pour leur expliquer que j'ai pris le choix moi-même d'avoir un piqûre de cortisone parce que je m'en allais en vacances et que je ne voulais pas avoir de problème au cas où, tout simplement. 2-3 jours après, je n'avais aucune douleur. Et les douleurs ne sont jamais revenues non plus. Depuis ce temps-là, ça va très très bien. Il a commencé à jouer au vol. Je sais, mais c'est parce que je reviens. Je marche régulièrement. J'ai aucun problème. Alors, quand j'ai contesté, un mois plus tard, on m'a réalisé que j'étais acceptée parce que je lui ai expliqué mon dossier. C'est tout simplement pour vous dire, quand vous faites des recherches pour des assurances, prenez pas le premier but. Allez plus loin, pensez à l'action. Allez voir ce qui se passe. Prenez-en un. Faites vos recherches, surtout si vous êtes malade, vous avez des maladies, vous avez du cancer, etc. Vous pouvez être assuré parce que une de mes amies, moi, qui a eu le cancer, ça fait 6 mois qu'elle a pris le cancer, puis les assurances lui ont demandé combien de temps que ses traitements étaient terminés, qu'elle avait plus à faire avec le cancer. Elle a dit, ça faisait 6 mois avec preuve à l'appui. Alors, ils ont dit, vous êtes assuré, madame. Alors, quand ça va contester, quand vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé, que le résultat n'est pas bon, allez-y, faites du travail, prenez pas le premier, magasinez comme si vous magasinez une robe tout simplement, parce que les assurances, ça se magasine. Alors, sur ça, je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine, et on se revoit à la prochaine chronique. Mais n'oubliez pas, allez cliquer sur le lien de nos commanditaires. C'est grâce à eux que vous regardez mon émission. L'émission qui se passe sur la web TV de Québec en direct. Merci beaucoup. Au revoir à la prochaine. J'espère que cette émission vous a plu cette semaine et n'oubliez pas d'encourager nos commanditaires grâce à eux.
on vous offre de la télé gratuite et on peut aller à la rencontre des, de belles entrevues comme Brian Perrault, Suzanne Quimper et bien sûr les entrevues avec Délisca. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une agréable semaine et on se revoit pour des prochaines bonnes nouvelles dès la semaine prochaine. Bye tout le monde!